parlait de coup d'arrêt, mais il y a une petite déception ce soir quand même avec ce résultat. Ouais, une petite déception. Pas par rapport à l'engagement encore une fois des joueurs, parce que je pense qu'ils ont, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner ce soir. Même s'il nous a manqué ce petit but, et il nous a manqué un peu de finesse et de maîtrise dans nos attaques. Pendant, on était encore une fois solide défensivement parce que les occasions de 3, c'est sur un coup de périté et une frappe lointaine où encore une fois Johnny fait les parades qu'ils font. Maintenant, c'est le genre de match, des fois tu le perds 0 et tu as bien bien les nerfs. Donc voilà, j'ai félicité les joueurs parce qu'encore une fois ils se sont arrachés. Qu'est-ce qui, selon vous, vous a mis un peu à défaut dans la façon de défendre de 3? Parce qu'on a l'impression que cette fois, il y a eu moins de solutions au niveau offensif. Ouais, ben, ils étaient très bien organisés, il y avait peu de place. On était obligé de passer sur le côté, peut-être on l'a pas assez fait. Et surtout sur notre première mi-temps, bon, il y avait quand même le vent à prendre en compte. Et sur notre première mi-temps, on a été un peu timoré. C'est-à-dire sur nos premières relances, notamment Zach, Margis. Souvent il a trop joué à l'arrière à mon goût. Voilà, c'est un peu un manque de confiance. J'ai dit à la mi-temps qu'il fallait se lâcher, qu'il fallait un peu moins être un peu long dans la préparation, jouer peut-être un peu plus direct, parce que c'est quand on les faisait courir vers le but qu'on les mettait en difficulté. Donc c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps avec l'aide du vent, un peu marqué par Cissé, un peu marqué par Rodriguez qui a une bonne situation, et puis on a des situations qui ne se concrétisent pas par des occasions, mais notamment le 3 contre 2 en premier temps quand Rodriguez part en contre. Voilà, on apprend, on grandit. Voilà, il faut se contenter de ce point, et j'espère valider ce point la semaine prochaine contre Paris.